Mon dieu, si je commence à galérer là-dessus. Yo Bazu, yo Chips, comment allez-vous? Merci pour la chance. Clip cette fois-ci. Ok. Ça va, merci. Mon dieu, Bazu. La tristesse par contre chez toi. C'est Bazu qui décède quoi. C'est bien que ça passe. En pièce. Ok, c'était pas ouf, mais on se tire bien. On a défoncé mon stick. Mon stick est... Je perds la protection du stick. Déjà. Bon bah j'espère que ça va mener vers quelque part cette run, ça serait cool. Yeah.
0-3 ici. Je pense pas que ça soit un best, mais on peut se diriger vers quelque chose de pas trop mal. Pas trop mal. Hein, ça se trouve ça va être nul, mais... On va être devant le 640, normalement. On sera derrière le 6-7, ça c'est sûr. Putain, mais genre quand même réussi à mongoliser quoi sur la fin. Toi Chips qui avait pas vu de 70 depuis longtemps, je crois que la 120 ça doit être encore pire, non? Ah ouais, et comme Xepho faisait pas de 120, forcément. C'est vrai que du coup, forcément, vu que Xepho faisait pas du tout de 120. Ce que je peux comprendre, hein, c'est vraiment chiant à prendre ça. Regardez ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Elle est vraiment débile cette étoile quand même. Juste nager dans le geyser. Yeah.
Yes. Yes, ok, nice, génial, cool. Ok, Yosuke! Je crois que c'est un best segment ça. Yes. Ok. Ouais, je baisse le son dans 2 minutes à la sortie de la glissade. Ça. Et sinon, ça va très bien et toi?
faire là. Est-ce que c'est mieux scaler le son comme ça ou je remets un peu plus? D'accord, ça marche, merci. On va aller pas mourir. Pas sur cette étoile en tout cas. Si on passe cette étoile, ça va. Le sound glitch, merde. Faire un neutral jump, je crois. Éviter. Survécu, c'est le principal. Save in spawning. Ça donne des snacks. Boom. On va perdre un peu de temps, mais bon, c'était prévisible avec le. C'est passé sur le plateforme jaune. Mais en vrai, ça va. J'ai pas perdu de temps tant que ça. Secondes à sauver sur ce speed. J'aurais bien un PB. En vrai, c'est bien longtemps que j'ai pas PB dans une catégorie principale dans ce jeu. Ce serait trop bien. Ça me motiverait pour PB en 70 en plus.
Oh, King Kong, c'est le salon maintenant. C'est-à-dire dans l'ordre des étoiles que je fais ou dans le run? Parce que. Comme on peut pas faire BOB en une seule fois, on peut pas faire ce niveau-là en une seule fois, comme il faut la cascade ailée. Avec cette route, on fait donc BOB1 WF8, et donc on fait toujours donc le bon clip parce que c'est la plus rapide à faire au moment où on arrive dans le. Au moment où on arrive dans le niveau, c'est la plus rapide à faire, et du coup, on fait juste l'étoile du Shump. Après, on va faire deux autres niveaux pour pouvoir. Puisqu'on peut aller les faire. Et on revient avec la Wing Cap et on fait le King Bomb seulement à ce moment-là parce que c'est la route qu'on fait. Le bomb est fait dans le premier niveau, enfin au tout début quand on fait l'autre route qui s'appelle BOB3. On fait BOB3 et après on va directement faire le niveau des neiges, mais elle est moins pratique à faire on va dire. Elle est moins pratique et plus lente. Donc on pourrait théoriquement commencer par le roi bombe. Mais ça serait dommage de faire une étoile qui est 30 secondes plus lente si c'est pour reset sur les 100 pièces de la Womb Fortress quoi. Donc on préfère faire comme ça, l'étoile la plus rapide et après faire directement Womb Fortress et si jamais on doit reset, reset en ayant fait une étoile plus courte dans le niveau. Mais la route BOB3 CCM10 existe aussi. Et là on fait. Et là on fait le roi bombe, le Shump et Koopa. Elle était utilisée pendant un moment, puis maintenant elle est plus trop utilisée. Là je la vois plus du tout d'ailleurs, cette route. Après ça fait des trajectoires un peu cheloues. L'autre route qui est vraiment d'actu, c'est la LBLJ pour commencer directement par Bowser. Comme ça, on peut faire BOB en une seule fois parce qu'on va directement au niveau des Woomps. Sinon, globalement, les autres routes sont relativement plus lentes que celles-là et celles du LBLJ. Comme je connais plus du tout la route qu'on doit faire en CCM10. À l'époque où je l'avais faite, je m'étais créé ma propre route CCM10. C'était assez ignoble d'ailleurs comme route. Du style, j'allais directement au sous-sol pour faire uniquement la Vanish Cap et après j'allais faire. Je faisais Dark World, enfin Dire Dogs à genre 35 étoiles. C'est débile. Pendant un temps, il y avait même une route où tu faisais WF, le niveau des Woomps, juste avant d'aller monter tout en haut.
Juste avant de faire le niveau, le monde trempé séché, tout ça, tu faisais WF à ce moment-là. T'es complètement débile. Oups. J'aurais pu tenter le Star Animation Skip, mais bon. Évidemment, j'ai oublié de ramasser la pièce rouge. Il aurait pu passer. Donc voilà, si tu veux, les deux routes principales en ce moment, ça va être BOB1 WF8 et après revenir faire BOB26. Soit ça va être Dark World 1 WF8 et ça sera quand même BOB26, mais il sera fait en une seule fois. Vu que tu vas faire Dark World en tant que première étoile. Après en soi, l'ordre des étoiles dans le niveau, ça dépend souvent des runners. Raté 2, raté celui-là. Et le troisième. On va sauver un peu de temps, on va sauver un peu de temps. Je pense que le speed va rester au jaune quand même. On va pas passer au bleu normalement. Je ne sais pas. Bon, allez, le pire level. Va falloir prier pour pas sound glitch tout à l'heure pendant les 100 pièces. Sinon, c'est un reset. Hein. Et j'ai pas le temps de refaire de 120, donc ça sera une autre catégorie qu'on fera. Putain! J'ai vraiment un problème avec ce lapin. J'arrive plus à l'attraper. Va falloir que je retraîne le lapin, je sais plus l'attraper. On va faire les 100 pièces en deuxième, comme ça on sera débarrassé. D'abord faire. Allez, c'est maintenant qu'on va falloir prier parce qu'on va faire les 100 pièces maintenant. Qu'à la fin des secrets, il n'y a pas de sound glitch. Le pont d'or, ça c'est bien. On a raté la pièce rouge, ça c'est moins bien. On va s'en passer, c'est pas grave. Please! Si vous voulez prier, c'est maintenant.
On est safe. Bon, c'est bon. On a sauvé la run. On n'aura pas le sandwich. Parce que si ça arrivait, le run était mort. Le run était littéralement mort, c'était 3 minutes dans les dents. À peu près. Pas forcément 3 minutes, mais c'était au moins 2 minutes dans les dents facile quoi. On va faire les pièces rouges. Je savais pas quoi faire en pièces rouges. J'ai eu tellement peur avec la boîte. What the fuck? Je savais pas qu'on pouvait péter la boîte comme ça. Je savais pas qu'on pouvait péter la boîte en bonquant dessus comme ça, c'est intéressant. Backup. Mais putain! Ah, forcément, elle passe du premier coup. Voilà, perte de temps qu'on va se taper. Plus largement gold ce split si j'avais pas fait de la merde. C'était nul, mais c'était nul, on va perdre du temps. On va perdre du temps, ça va être la nullité totale quoi ce split. On va perdre 30 secondes, ça va être vite vu. Le split il va passer en 2 barres en niveau.
En vrai, ça va, on va quand même sub 9 ce split malgré tout. Oh non, tout le reste est bien passé. Heureusement que le reste est bien passé. Ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas vraiment sans contenter. Ah. 38 secondes d'avance, c'est pas ouf, pas énorme. Je récupère la pièce, 1, 2, 3, 4, 5, oui. C'est ça que je suis censé faire? Je sais même pas. On va dire que oui. Elle est tombée? Elle est tombée, je crois. Elle est tombée. Non, elle est pas tombée! Fuck! Ok. Bonsoir Dragnos, Dranox. Pardon, désolé. J'ai eu trop vite. Quatre-vingt-onze, il m'en faut 3. Perfect. Ah mais en plus je le connais ton pseudo, je l'ai déjà vu. Ça le pire. Je pense que j'ai été lent sur ces 5 pièces. Je pense. Après les autres étoiles vont relativement vite. Faites-moi penser à aller chercher la Metal Cap avant que j'oublie. Tout ça pour ça au final.
Si vous voyez que d'ici genre à 39 ou 40 étoiles, j'ai toujours pas fait la Metal Cap, faites-moi penser à aller la faire. C'est vite. Yes, Christmas miracle. Metal Cap, je vais le faire maintenant d'ailleurs. Je suis sûr de pas l'oublier. Il va rester les deux de la 16. One cycle please pour la Metal Cap. What? Cycle, please. Ça sera pas moins de cycle. Putain. Voilà. Oh là là, ce niveau, please. Oh, ce niveau de la tristesse. Ce temps perdu. On va être devant encore, mais on va perdre du temps. Parce qu'on se fait pas bolos par les. Si on se fait bolos par la RNG, ce sera pas un 7-45. Là. Ça complique le 7-50 sur le prochain split. Ah ouais, deux barres, putain, moi j'aurais mis qu'une barre hein, pour ce split. Va falloir tout donner pour la LL. LL, pardon, pas juste LL. Ok,
J'ai atterri dans la flotte, évidemment. Paypay Saver, moins 4.1 et je suis à moins 10.4, donc j'ai déjà eu une run plus rapide que celle-là. Intéressant. Donc j'ai eu aucune run en sub 45 pour l'instant. Et que j'aurais pu avoir en plus là. Dommage. C'est quand même pratique hein, ce nouveau truc qu'ils ont fait. Voir la comparaison par rapport au Smash Best directement sur les splits. Ah, ces petites icônes là, c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Je sais pas comment ils ont développé ça, mais pff, franchement, les gars, chapeau. C'est vraiment utile. Les icônes à côté des splits, je vais voir, ici là. C'est des trucs en fait que tu pré-règles et par exemple tu dis que c'est une telle icône quand t'es à 5% de ton base split, telle icône quand t'es à 10%, etc. En fait ça indique si t'es loin ou pas de ton smurf vest. Par exemple là les deux barres à côté d'HMC ça veut dire que je suis relativement loin de mon best segment. Et quand c'est 4 barres vertes ça veut dire que c'est mon best segment où j'en suis très très proche, etc. etc. En gros ça sert d'indication pour savoir si t'as des bons et des mauvais splits. Qui est hyper utile en fait. Comme ça tu vois où tu peux potentiellement gagner du temps, là où si jamais t'as un peu de mal et que t'as un bon temps, essayer de limiter la perte de temps, etc. etc. Et en fonction de mon LLL que je fais là, par exemple, ça pourrait changer la petite icône qu'il y a sur le côté. C'est juste beaucoup trop bien en fait. J'ai deux pièces de marge. Comme c'est assez récent, il n'y a pas grand monde encore qui l'utilise. Mais ça va finir par être relativement courant dans le futur, je pense. Fuck. Okay. Là par exemple, tu vas voir que le speed de LL, normalement les 3 barres devraient passer jaune ou alors j'aurais 2 barres, je sais pas encore. Normalement, j'aurais passé à 3 barres jaunes ou 2 barres sur split. Ah voilà, 3. Ah non, 3 barres bleues toujours, d'accord. Je pensais que j'allais changer. Bonsoir, kebab. C'est moi, il part là-bas.
Par contre, là. Elles étaient bleues ou elles étaient jaunes juste avant? Elles étaient bleues, hein? Oui, c'était bleu. What? Oh, j'ai touché un mur invisible. Please, 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 please. Enfin, incroyable. Oh non! Presque. Là, tu vois, les trois barres jaunes sont devenues 4 barres vertes parce que je suis très proche de mon best. Ce qui aurait été un best segment si j'avais eu le sigle mic, hein. Soit dit en passant. Donc, malgré un lapin nul, il y a largement de quoi gagner du temps sur ce split. Juste que je m'entraîne en fait sur ce lapin, parce que je sais pas du tout comment bien le faire. Walk. Non, pas de moonwalk, dommage. Terrible, terrible. On constate quand même que j'avais un best pace ever qui est même pas si loin du pace que j'ai là, donc... J'ai encore du temps à aller chercher sur ce run. Pièce rouge. 100 pièces. Yes! Pour rater une pièce là, on perdait une minute. Hein. Qui a voulu se baisser, MDR. 56 pièces rouges, bonhomme de neige et Walkie Cool World.
J'aurais tenté cette strat, tant pis. J'étais pas serein sur le fait de réussir ce que je voulais faire. Prochain niveau bébé, je me fais un peu peur. En vrai. Surtout les 100 pièces, c'est les 100 pièces qui me stressent le plus pour ce level. Un gold ça, je pense pas. Hein. C'est pas trop un gold en fait. Ça se passe bien. Ouais, on va gold. Yes! Yes, segment. Et boum! Yo Chingo Live. À la moitié. Sixty left. Temps, mais on va s'en satisfaire.
Le pire est passé. Not bad, on y croit. Baisse segment. Oh.
Les stops. Yeah, I agree. It is very boring. Can you stop failing like that, please? Yes. First time I first tried this stupid jump to get the blue coins. Nope. Are you kidding me just right now? Oh, did I miss jump? Phew, okay. Bad 100, but okay. Yeah.
Don't die, please. Thank you. Here we go! 51 left. Stupid camera. Nice, got it. 70. Need to practice this star. Get the first wing. Here we go! Okay, not that bad. Yeah.
Bad, very bad. Very bad, Valentrets. Oh!
This is a bad dry world. I'm gonna lose so many time. So much time, what the fuck? Be behind my PB split, I think. Yeah, I will be behind. Oh my god. Fuck, you kidding me? Here we go. Like, I'm still ahead for 3 seconds, please. The hell. Is going wrong. Yeah.
Got my bike up. Oh, for it's quick. Not good. Nice. Clair. Pouf, please. Here we go!
Killing me. Oh, please stop it. Really, stop it, please. Cannot lose time like this. .18% chance of PB. Please, I want to PB. Him. Thank you.
God, please. Note à côté. Thanks for the host, Theory. Thanks for the good luck.
Yes, this is my PB splits. Yes, PB pace by 4 seconds. But this run is pretty bad, to be honest. I lose so much time everywhere. Left, please. Okay, pretty safe. 100s. Fuck TTC. Fuck this shit. Why not? I'm gonna lose this one. Please TTC. Don't screw up everything.
Fuck, tu es ici. It once at least. I'm gonna be safe for this time. Nice first two. 10 left. My God, please. Yes. Here we go. Fuck, TTC. Fuck Toad. Don't want to risk to do the lucky bounce and lose a lot of time, so save strats for this turn. Thank you.
Well on red snow. Okay, no freestyle on the carpets. Story is so long. Two star left for the run, one in this stupid rainbow ride. What? No, 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 no. Fuck! Fuck Rainbow Ride. Fuck Bomb Bomb. Fuck you, Bomb. Screw up a pretty decent Rainbow Ride. Thank you very much.
Things got a grabbed. Oh my god, please. Like Sky. Let's go, guys! Yes! Sub 2 or 3. Oh my god. What the fuck? Thanks, guys. Oh, this run was so bad.
please, what the fuck, look at this. Chimsy, I lost. SSL, Chimsy. LLL. DDD. Bad Rye World. Total Mountain. My god. Sub 2 is so close to me. This one was a sub 2 base, I think. Without my stupid mistakes. The sub 2 is close, my god. Yes, yeah, sub 2 soon. My sum of base like is 2 minutes faster. No, I think something like that. My god, please this bomb on me, rainbow ride. Stupid bomb. Fuck rainbow ride. Fuck bomb bomb. Fuck TTC. Fuck TTM. Fuck Wide World, fuck DDD, fuck LL, fuck HMC, fuck SSL. Phew, my god. At least I haven't run for 2 hours for nothing. My god. My gold splits are grey because I have a friend on Discord and his name on one server is Grey, G-R-E-Y, and that's why I just put my best split in grey, just to be a joke. Okay, I'm gonna stop the stream now. who should I host now?